Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Nono, salut Nono. Salut Alors Sacha! Nono, Kylian Mbappé a pris une dimension complètement incroyable, hein, surtout depuis sa prolongation, mais ça dure depuis plusieurs années maintenant. Il a été invité à la draft NBA hier. On sait qu'en plus de ça, le PSG a un partenariat avec la marque de Michael Jordan, Air Jordan. Michael Jordan a choisi que le PSG dans tous les clubs du monde, tous sports confondus, pour représenter sa marque. C'est quand même assez incroyable. Et Mbappé a donné aujourd'hui, une interview à BFM TV où il dit que les habitants de New York connaissent beaucoup le PSG, surtout grâce à la collaboration avec Jordan. Ils sont contents que je reste. Tout le monde sait l'ambition que j'ai de laisser ma trace dans ce club, mais vraiment le PSG a cette identité et moi, je ne fais qu'apporter ma pierre à l'édifice. Je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling-bling, mais j'ai toujours fait du football ma priorité. Pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Après, je comprends le message du club. C'est aussi le message que l'on m'a passé. Et honnêtement, Nono, quand tu vois un petit peu les propos d'Mbappé, les propos de Verratti, tu vois que les mecs, ils ont encore faim quand même. Quand tu vois les propos de Marquinhos il y a quelques semaines, t'as envie de te dire, Marquinhos, le mec, l'ambition, elle est perdue. Neymar, on n'en parle même pas. On en reparlera plus tard de Neymar, mais tu vois que quand même Mbappé a une grosse ambition encore, et que le mec n'est pas là pour rigoler, et que la dimension qu'a pris le Paris Saint-Germain au niveau marketing et sponsoring, on espère que ça suivra avec le sportif. Moi, je vais te dire, Mbappé non seulement a pris une dimension internationale, Jordan ne s'est pas trompé, c'est le futur phénomène des 10 prochaines années. Donc, on va parler Mbappé, Mbappé, Mbappé. Et qui plus est, ce mec, à la différence de Neymar, c'est un passionné du ballon. C'est un passionné du ballon. Bon, c'est vrai, il prend beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais il a une passion pour le football qui est exceptionnelle. Alors non, on va parler de Neymar dans quelques minutes et j'aurai deux questions à te poser sur Neymar. Alors le PSG veut revoir à la baisse l'indemnité de départ de Mauricio Pochettino et de son staff, alors que l'Argentin veut percevoir jusqu'au dernier centime, ça ne nous m'étonne pas. Accord définitif entre le PSG et Nice pour Christophe Galtier, les derniers détails ont été réglés, l'indemnité semble bien inférieure à 10 millions. Accord déjà trouvé entre le Paris Saint-Germain et le coach français. Bon, le PSG qui essaye de baisser l'indemnité de Pochettino. Et aussi essaye de baisser l'achat de Christophe Galtier, ça prouve quand même qu'ils ont peut-être arrêté et décidé d'arrêter d'être des pigeons. Eh bien, il est temps, il serait temps. Là, tu vois que personne ne fait de cadeau au PSG. Pochettino, pas de figure, vraiment pas de figure. Avec le parcours qu'il a eu au PSG, le mec ne fait aucun effort. Il veut prendre jusqu'au dernier euro. Voilà, c'est scandaleux, scandaleux. Et je le dis et je le répète, c'est le seul métier au monde où tu prends des sous quand t'as pas de résultat. Tu bosses pas bien, ton patron te vire. Dans le football, c'est le contraire. Tu prends une tonne d'oseille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à Bah, dire. il faudrait peut-être changer les lois. En tout cas, Nono, est-ce que t'aurais été à la place de Pochettino, t'aurais pas fait pareil que lui, honnêtement? Je pense honnêtement, vu l'échec total, je pense que j'aurais pas été jusqu'au boutiste comme lui. Je pense que bon, le PSG m'aurait proposé peut-être une petite baisse d'indemnité. Je pense que je l'aurais accepté. Mais eux, non. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier euro. Donc voilà, accord définitif Et je entre. dis ça, pardon, je m'excuse, je t'interromps, je dis ça par rapport au résultat, hein. Ah bah c'est sûr. Aucun résultat, aucun jeu, aucune fierté, aucune dignité, aucune âme, aucun amour-propre. Bref, en tout cas, Pochettino est sur le départ. Dans quelques jours, ce sera définitif, comme l'accord définitif entre le PSG et Nice pour Christophe Galtier. Alors, il y a un consultant, enfin un consultant qui est consultant maintenant et qui était coach à l'époque de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, de Saint-Étienne. Et Galtier a été souvent son adjoint avant d'être entraîneur numéro 1, c'est Alain Perrin. Alain Perrin, excuse-moi. Donc futur entraîneur du PSG, Galtier arrive avec une étiquette peu flatteuse, hein. Ses équipes n'ont pas toujours été les plus spectaculaires ces dernières saisons, et pourtant sa philosophie initiale est beaucoup plus ambitieuse qu'il y paraît. Donc maintenant, Alain Perrin, qui nous dit que Christophe Galtier a toujours défendu le club, il a toujours eu des mots bienveillants envers le Paris Saint-Germain quand il était entraîneur dans n'importe quelle équipe, notamment il a aussi publiquement souhaité la prolongation de Kylian Mbappé. Laissons-lui sa chance, ne le mettons pas sur le grill. C'est quelqu'un de très pragmatique qui sait ce qu'il ne peut pas faire. Il n'est pas utopique dans ses idées et pourtant il a de bonnes idées sur le jeu. Il aime avoir la possession du ballon et un football spectaculaire qui marque des buts. Les fondations d'une équipe, c'est quand même la récupération du ballon, bien défendre et concéder le moins d'occasions possible. Ensuite, il faut avoir la qualité technique et le talent pour bénéficier de la créativité offensive. Quand il aura les joueurs disponibles qu'il n'a pas eu avant, il sera capable de produire ce système de jeu. Donc, il est pragmatique, il aime ce système en 4-4-2 qui lui offre beaucoup de possibilités et de confiance parce que tout le monde
monde travaille dans la récupération pour bien quadriller le terrain. Il est aussi capable de jouer en 4-3-3 comme on le faisait à Lyon. Cela ne le gênera pas. Il saura s'adapter car il a un vécu d'entraîneur et de joueur pour pouvoir changer de système. Donc il fera aussi cela en concertation avec les cadres du groupe, parce que si ça l'intéresse, c'est de mettre les gens dans les meilleures conditions possibles. Il saura utiliser les joueurs à bon escient dans leurs points forts et ce qu'ils savent faire. Il ne demandera pas à un joueur de faire ce qu'il ne sait pas faire. C'est quelqu'un de consensuel. Il ne cherchera pas à imposer des visions qui ne correspondraient pas au choix des joueurs. Es-tu d'accord avec Alain Perrin, oui ou non? Eh bien, je suis d'accord avec Alain Perrin, première chose. Bon, faut voir, il a fait avec les joueurs qu'il avait. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement. Là, je suis d'accord avec lui. Maintenant, il sera obligé de s'adapter aux joueurs qu'il a à Paris. Par contre, un petit doute, j'ai lu aujourd'hui qu'à Nice, ça s'est très 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 mal fini avec le vestiaire, les dirigeants. Donc je dis attention, attention quand même. Bon, Laurent Blanc, ça s'était très mal passé aussi avec l'équipe de France et avec Bordeaux. Et bon, finalement, ça a pas mal marché au niveau du jeu, même s'il y a eu un échec en Ligue des Champions. Alors Nono, maintenant, on va parler un petit peu des infos, questions-réponses, on va faire, hein. Et tu nous diras vraiment ton avis. Alors Renato Sanchez, le PSG a proposé 10 millions d'euros. Lille en voudrait le double. Si Lille évalue seulement Renato Sanchez à 20 millions d'euros, est-ce qu'il est si fort que ça? Ah bah pour une fois, c'est pas un prix PSG, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. S'il l'évalue qu'à 20 millions d'euros alors qu'ils ont vendu des PP et des Osimhen à 80 millions d'euros, est-ce qu'il est si fort que ça? Ah bah faut faire attention. Attention, ouais. Attention à la visite médicale qui n'est pas quelque chose de caché. Alors le PSG explore aussi la piste d'un transfert d'Hugo Ekitike. Luis Campos l'apprécie énormément, le dossier n'en est qu'à ses débuts. Par ailleurs, s'il vient, il n'est pas prévu que Paris le prête dans la foulée à Reims. Il jouerait dans la rotation. Honnêtement, Hugo Ekitike en numéro 9, oui ou non dans la rotation? Après, t'as viré Kalimuendo pour prendre lui, je vois pas la différence, hein. Oui, dans la rotation, pourquoi pas? Dans la rotation, pourquoi pas? En Ligue 1, ça peut suffire. Mais en Ligue des Champions, il sera sur le banc, hein. Alors les discussions ont débuté il y a quelques jours entre le PSG et Lens pour Seko Fofana. Son club en attend entre 30 et 40 millions d'euros, suivi aussi par Newcastle après l'échec Ekitike. Le joueur est prêt à rester en France. Moi honnêtement, Nono, je vais te dire la vérité, hein. Vidinha, normalement ça devrait se faire, faut juste qu'il tombe d'accord sur la façon d'indemniser le FC Porto. Porto, ils veulent 40 millions direct, le PSG veut payer en deux fois 20 millions. Moi honnêtement, Renato Sanchez, je n'en veux pas. Honnêtement, je préfère un Seko Fofana et un Vidinha plutôt qu'un Renato Sanchez. Même s'il faut payer 20 millions de plus pour Fofana, je préfère prendre Fofana et Vidinha et les mettre à côté de Marco Verratti plutôt que mettre 20 millions sur Renato Sanchez. C'est mon avis, hein. Je suis d'accord avec toi et je vais te rajouter Seko Fofana. C'est exactement le joueur qui manque au PSG. Voilà. C'est un milieu de terrain infatigable, un mec qui est capable de tirer de 30 mètres, un joueur complet, infatigable. C'est le joueur que j'attends au PSG, je te le cache pas. Il est très fort et il est très fort physiquement au niveau duel aérien, au niveau physique. Il va très vite en plus de ça, il est très offensif et il apportera quelque chose qu'on n'a jamais vu avec le Paris Saint-Germain. Alors bonne nouvelle Nono, Leandro Paredes ne serait pas contre un départ à la Juve. D'ailleurs, même s'il ne trouve pas d'accord, il pourrait y avoir un échange, même si c'est compliqué les échanges maintenant, il pourrait y avoir un échange Paredes-Moïse Kean dans les semaines à venir. Est-ce que tu es d'accord pour un retour de Moïse Kean et un départ de Paredes en échange? En tout cas, moi, oui. Ah, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Moïse Kean a fait une très belle saison au PSG. Et je pense qu'on a une petite ouverture quand même pour les indésirables. Les joueurs style Paredes, Draxler, je pense qu'ils vont vouloir jouer la Coupe du Monde. Et en restant sur le banc, je pense qu'ils ne seront pas sélectionnés. Donc c'est peut-être une petite ouverture pour le PSG. Alors Galatasaray a proposé 5 millions d'euros pour Idrissa Gueye. Le PSG en veut 10. Est-ce que Idrissa Gueye voudra rester au Paris Saint-Germain ou partir? En tout cas, moi, je pense que Gueye, ça a été un échec et qu'il faut le laisser partir pour qu'il parte très, très vite. Ben, Gueye a fait quelques très grands matchs. Oh. Bon, mais sur la durée, ça n'a pas été ça. Il était capable de faire un match fabuleux et les 15 jours après, de faire un match très moyen. Donc, moi, je serais pour qu'il parte. Alors, Nono, on va parler au dossier Neymar. Alors, Neymar, bon, il continue encore pendant ses vacances à montrer une mauvaise image de lui, mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Et le PSG négocierait avec Chelsea pour le prêter une année, où il retrouverait Thomas Tuchel, avec qui il avait eu un bon niveau quand même et une bonne entente à l'époque. Alors le PSG serait prêt à le prêter un an avec une option d'achat non obligatoire de 50 millions d'euros. Est-ce que ça pourrait être une très bonne solution? Là,
je veux te dire, ils ne sont pas gourmands. 50 millions d'euros Neymar, malgré tout, je pense que Chelsea peut y aller. Maintenant, qui prend le salaire en charge? Alors c'est la question qui se pose, hein. Alors maintenant, on ne sait pas très clairement qui prendra en charge le salaire. Est-ce que ce sera 50-50? Est-ce que ce sera 60-40 pour le PSG? En tout cas, ce sera soit à égalité, soit le PSG qui prendra une partie du salaire. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que le gars, ça pourrait lui faire du bien d'aller une année en Angleterre où c'est très physique et le récupérer dans de bonnes conditions? Mais bon, après, on a vu, rappelle-toi Coutinho, il fait rien avec le Barça, il est prêté au Bayern, il gagne la Ligue des Champions, il fait la misère au Barça, il revient au Barça, il s'éteint complètement. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Je sais pas sûr, hein. Ah, oh, mais moi je vais te dire un truc, Sacha. En Angleterre, il finit en lambeaux, hein. Ah, En Angleterre, il finit en lambeaux, hein. plus qu'en Moi je lambeaux. te le dis de suite, hein. Alors non, moi il y a un truc qui me fait rire parce que je voudrais avoir ton avis. J'en ai parlé dans ma vidéo. Bon, ça va insulter, ça va encore aller dans les tours, mais bon, on s'en fout. Ça nous fait rire maintenant. Moi, ce qui me fait rire, il y a deux sujets qui me font rire au PSG et les supporters, ils sont un peu bizarres. Sur le dossier Kimpembe et Neymar. Alors Neymar, leur seul argument, surtout sur Twitter, ils t'expliquent qu'ils ne comprennent pas comment les dirigeants peuvent vouloir laisser partir Neymar et ils te mettent on va dire le résumé du match contre le Bayern, tu sais, le match retour contre le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions où tu perds 1-0 mais tu es quand même qualifié. Tu te souviens de ce match? Ouais, tout à fait. Alors Neymar avait fait une masterclass pendant ce match, on peut pas le nier. Mais à l'arrivée, certes le PSG est qualifié, certes Neymar a fait un très gros match, mais Neymar à l'arrivée du match, quand le match est fini, quand l'arbitre siffle la fin de la rencontre, c'est zéro but, zéro passe décisive et tu perds le match. Et les mecs, c'est ça leur argument pour prouver que Neymar est un phénomène. C'est là que tu dis qu'il y a quand même beaucoup de footix, hein. Bah, le problème, c'est qu'ils comprennent rien au ballon. Sur cinq années, allez, je vais dire, il a fait une bonne première année. Après, finito, plus rien. Ligue des Champions finale, il a été inexistant. Voilà quoi. Faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils arrêtent. Et Nono? Neymar s'est tué tout seul. Hein, Nono? c'est de la faute à personne s'il n'a aucune hygiène de vie, s'il n'a aucune discipline. C'est de la faute à personne, c'est de sa faute à lui. Mais c'est vrai que Neymar, moi, il y a 5 ans, quand il est arrivé, j'ai sauté au plafond. Pour moi, c'était un futur ballon d'or. Bon, ben, il s'est gâché tout seul, on n'y peut rien. Alors Nono, la preuve qu'il comprendra au football, c'est que Neymar a été meilleur au match aller lors du 3-2 et la victoire du PSG avec deux passes décisives. Plutôt qu'au match retour, même s'il avait été phénoménal, mais à l'arrivée, il sort avec 0 but, 0 passe. En finale de Ligue des Champions, 0 but, 0 passe. En demi-finale contre Leipzig, 0 but, 0 passe. Et contre l'Atalanta Bergame, pareil, 0 but, 0 passe. Bref, on passe Mais les aussi. mecs, faut qu'ils fassent le bilan sur les 5 ans. Ouais. Voilà ce qu'il faut qu'ils fassent. Si tu regardes un match, il n'y a pas un joueur qui doit partir. Il y en a toujours un qui t'a fait un bon match, ça C'est c'est ça. sûr. Alors Je Nono. comprends pas ces raisonnements, je comprends Et pas. le pire, c'est que il y a encore un autre sujet qui fait parler parce que Skriniar est sur le point de débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Et ils sont en train de nous dire que l'argumentaire, comme quoi, comme Kimpembe est un titi parisien et formé au club, il faut le laisser titulaire quoi qu'il en soit. Non mais ça mourir de rire. Donc c'est-à-dire que même si Kimpembe est mauvais, vu qu'il est formé au club, il faut le laisser sur le terrain. Non mais Eh attends. ben, c'est le problème du supporterisme. Moi, je suis un supporter du PSG, mais je regarde avant tout le ballon. Je regarde le joueur. Bon, c'est vrai, c'est un titi parisien, mais ça n'empêche pas tout titi parisien qu'il est. Relance catastrophique, beaucoup de gaffes. Pour moi, Kimpembe, c'est un joueur surcoté, Non mais tout moi je le simplement. dis, Nono je le Voilà, dis, c'est tout. si Ramos et Skriniar sont meilleurs que Kimpembe et Marquinhos, c'est eux qui doivent jouer. Si Eh Marquinhos ben, et tout Kip... à fait. si Faut, faut... Kimpembe, si Kimpembe et Marquinhos sont meilleurs que Skriniar et Ramos, c'est eux qui doivent jouer, et ainsi de suite. Voilà. Mais je suis d'accord, je suis Voilà. d'accord. Mais faut arrêter de dire parce que c'est un titi parisien. Alors ça veut dire que même si le mec c'est un titi parisien, il est mauvais, faut le garder. C'est ça, faut le Ah, garder faut et le arrêter mettre les sur le terrain. conneries. Faut le garder et le mettre sur le terrain. Faut le garder et le mettre sur Ah, le bah terrain. faut arrêter les conneries. Moi ça me gave ça. C'est pour ça que je réponds pas aux commentaires et je vais pas à part YouTube, je vais nulle part parce que ça me gave. Voilà, faut pas rentrer là-dedans, de toute façon, on a le droit de dire ce qu'on Non, non, veut. ça me gave, ça On a le me droit de gave. dire ce qu'on veut, liberté d'expression, et d'ailleurs, on leur donne encore un peu trop de crédit en parlant. On donne notre avis, celui qui est pas content, c'est pareil. En tout cas, Nono, voilà les dernières informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tous.